Amis followers de la chaîne Green Business, bonsoir, bonjour, dépendamment de là où vous vous trouvez. Benjamin Sofak, agripreneur. Avant de commencer, je souhaite que chacun de vous mette un commentaire de là où il nous regarde, pour voir où est-ce qu'on va, quel est le public qui nous regarde, quel est le pays, frères et amis qui nous regardent. Alors, ce soir, je souhaite vous présenter mon matos qui est arrivé de Chine. J'ai commandé pour l'apiculture moderne, l'apiculture, l'élevage des abeilles, avec tout ce que ça peut apporter, tout ce que ça peut donner. L'apiculture, cette fois-ci, avec du matos professionnel et pour une apiculture moderne, avec des ruches, d'attends, 10-4 bien sûr. Alors, je vais commencer par le kit de l'apiculteur, le kit de base de l'apiculteur, quelle que soit l'apiculture, un petit peu riche. En commençant notamment par un enfumoir. C'est un enfumoir. Je l'ai commandé et il est finalement arrivé. C'est un enfumoir. Le dispositif dans lequel on met le combustible, le produit, la fumée qui va venir couper la chaîne de communication dans la ruche. Et ça se passe assez bien. Entre autres, on peut citer ce lève-barrette. Il est assez pratique, il permet de lever les barrettes, la brosse à abeilles. C'est assez doux parce qu'il ne faut pas le blesser quand il faut retirer les abeilles des rayons. En fait, il y a ça. Et vous avez entre autres aussi ce désinspéculateur. Quand vous avez déjà vos cadres de hausse qui ont chargé en miel, c'est avec ça. Vous allez voir ça dans les mois à venir quand Green Business qui va aller sur le terrain avec Biscuit, l'entreprise que nous dirigeons à la production du miel et désormais dans d'autres produits. Vous allez voir, les équipements sont là pour ça. Le lève 4. Avec lui, avec une main, vous pouvez tenir votre cadre ou votre barrette, que ce soit une ruche kenyane ou une ruche d'Adam, même une ruche d'Anstrop, pour inspecter. Vous n'avez plus besoin de tenir avec les deux mains et ça vous dit. Là, avec une seule main, on gère ça. Donc, ça c'était pour le matériel de base de l'apiculteur, quelle que soit l'apiculture. Maintenant, entrons dans le gros de la chose, ce matos. Ça sont les cupilles, c'est le matériel d'élevage. Pour finir, vous voyez, c'est mon matériel d'élevage des rennes. Le matériel d'élevage, vous comprenez donc qu'on est passé à du haut niveau parce que là, il faudrait plus s'arrêter à pâter des essaims, mais il faut produire des rennes, donc c'est-à-dire produire des colonies qu'on peut vendre parce que l'apiculture moderne permet aussi ça, de pouvoir vendre des colonies d'abeilles, des paquets d'abeilles à qui veut s'installer, à qui peut s'installer. On produit beaucoup. Si quelqu'un veut 100 ruches, il faut bien pouvoir l'offrir 100 rennes pour qu'elle commence sans plus tard. Vous avez vu, il y a tout, il y a mes marqueurs à rennes. J'ai pris pratiquement les trois couleurs en fonction des années. Vous avez mon cadre qui reste là, dans lequel on pose des cupilles, des bigoudis. Les bigoudis sont là. Et pour suivre, dans ma ruche d'abord, vous avez. Pas présenter ça. Ça, c'est la cage qui permet non seulement de transporter une reine, mais de pouvoir marquer cette reine-ci. Lorsque la reine est posée là à l'intérieur, vous avez vu. Et en faisant monter tout simplement comme ça, avec le marqueur de tout à l'heure, on peut marquer la reine et désormais facilement la reconnaître. Je vous ai montré ça, je vous ai montré l'autre. Donc, c'est une chasse abeille au moment de la récolte du miel. Pour faire que les abeilles qui se sentent piégées ou bien lésées aillent dans le corps retrouver leur reine qu'ils aiment. Bon. Les entrées de ruches, pour les ruches d'Adam, les entrées de ruches avec des coulisses. Oui, avec des coulisses. Ces coulisses permettent de fermer l'entrée de ruche et vous pouvez déplacer votre ruche avec les abeilles, le soir bien sûr. Et si c'est en journée, elles vont pas sortir, c'est fermé et elles réussissent à respirer. L'un des éléments aussi caractéristiques de la ruche d'Adam ou la Anstrop, c'est ça. C'est une crie à reine. Avec ce dispositif, votre reine ne montera pas dans les hausses, restera dans le corps de la ruche. Par conséquent, votre miel sera pur, il n'y aura pas
de couvreur dans les hausses, c'est-à-dire couvreur miel comme plus fin, comme plus pur. Comme je vous ai dit, continuons dans le cadre des règles. Ça, c'est un mini puce en polystyrène. C'est un mini puce pour l'élevage et le transport des rennes, le transport même des petits paquets d'abeilles. C'est un coton neuf, je ne l'ai pas montré, mais c'est pour ce fait là. Nous en avons un stock aussi. C'est un stock limité. On va dire qu'on a pratiquement, pas pour les mini puces, mais pour les autres matériels de base, nous avons pratiquement un stock limité. Pour ceux qui voudraient en avoir, bien vous allez contacter. Qu'on verra, qu'on va mettre dans la barre de description. Vous laissez aussi un mail sur notre boîte à mail. Oh, maintenant, quel autre équipement je voulais vous montrer. Comme je vous ai dit, on va avoir tous les produits, que ce soit la propolis, le pollen. Le pollen, par exemple, on a cette magnifique trappe à pollen. C'est du bon matos. Du très bon matos. On aura l'occasion dans les épisodes d'apprentissage ou bien des formations sur Green Business, vous montrer comment ça fonctionne, vous parler du pollen, de tous ces produits de la ruche. Je vous présente vite fait mon matos qui est arrivé de Chine. Il y en a aussi à revendre, donc je vous ai montré ça. Et il faudrait vous montrer aussi que j'ai fait venir de façon exprès, j'ai fait venir ça. C'est des lamelles de cible. C'est de la scie gaufrée, ça c'est pour des cadres de hausse lors de la période de récolte ou bien de captage de miel, pour que l'excédent du stock de nectar soit stocké dans les hausses et que le miel soit fait. Donc je viens de vous présenter vite fait le matos qui est là. Je vous ai dit, on en a en stock limité pour ceux qui souhaiteraient en avoir. C'est avec le temps, dans les trois mois à venir, qu'on aura un stock assez disponible au Cameroun pour pouvoir satisfaire qui veut se lancer. N'hésitez pas aussi à nous contacter pour vos installations de vos ruchers, pour les ruches déjà préfabriquées, ou alors pour des formations d'apiculture. C'était Benjamin Sofal. On va dire une seule chose, you can do it, keep going.